Renoir, l'un des plus illustres légataires du patrimoine artistique de Cagnes-sur-Mer, a peint pratiquement chaque jour de sa vie. Parmi ses tableaux, de nombreux portraits d'enfants. Le club vidéo a entrepris de réaliser 15 d'entre eux sous la forme de portraits vivants, s'approchant au mieux des peintures originales. À ce jour, 8 portraits ont été reconstitués. L'œil, attiré par la robe très colorée de la jeune fille de gauche, plonge vers le fond du tableau pour apprécier la profondeur printanière. Pour moi, un tableau doit être une chose aimable, joyeuse et jolie. Oui, jolie. Le premier devoir d'un tableau est d'être une fête pour les yeux. Je fais comme un petit bouchon jeté dans l'eau et emporté par le courant. Je me laisse aller à peindre comme cela me vient. Renoir aimait la pureté rêveuse et la bonté qu'expriment les yeux d'enfants, ainsi que la fraîcheur de leur teint. La broche nacrée retient à peine l'abondante chevelure brune qui s'harmonise avec le satin nacré de la robe. Sur ce portrait sobre, traité en nuances de bleu, le garçon prend volontiers la pose. À l'époque, les parents affectionnaient de voir leur enfant en costume de marin. Le bleu vif de sa robe contraste avec le rouge du fauteuil. Renoir montre ici ses qualités à peindre le visage et le haut de la poitrine. Le sujet de ce tableau est simple, une scène naturelle, deux jeunes filles qui se font une confidence. Que peut bien murmurer la jeune fille de gauche à celle qui lui tend attentivement l'oreille? Renoir a d'abord fixé les personnages pour s'adonner ensuite à la joie de peindre les détails comme la chevelure, le ruban, le chapeau, etc. Comme une auréole bleu sombre entourée d'or, ce chapeau extraordinaire donne au visage de porcelaine un aspect féerique. Le rouge flamboyant de sa tenue contraste avec le vert émeraude de ses yeux.